Ça, c'est toujours impossible, les trucs en trois mots. Moi, aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. L'inconnu, l'aventure, le courage, la peur. La vision du Vendée Globe, selon Clarisse Kremer, jeune femme multidiplômée dont la trajectoire ne s'inscrivait pas nécessairement dans la course au large. Un passage remarqué par les classes Mini et Figaro, et la voilà qui se retrouve en partance pour un tour du monde à la barre d'un IMOCA. Ce qui a été important pour moi, c'est de savoir que j'ai été choisie d'abord par le directeur technique du Team Banque Populaire, par Renaud Lucas, avant d'être choisie pour un profil de communication ou des choses comme ça. Et donc, dès le début, le côté savoir-faire sur un bateau et apprentissage et performance faisait partie quand même du projet. Au sein du Team Banque Populaire, Clarisse Kremer emboîte le pas d'Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe 2016. Un passage de témoin, en quelque sorte, qui ne lui met pas la pression pour autant. On peut avoir la pression parce qu'on se met la pression tout seul, on peut avoir la pression parce que les autres nous la mettent, un sponsor ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que l'objectif depuis le début, c'est essentiellement de terminer le Vendée Globe. Après, forcément, il y a l'angoisse et les incertitudes liées à l'aventure, à la nouveauté, à toutes les découvertes que je vais avoir à faire pendant le Vendée Globe, mais ce n'est pas une pression du résultat. Ouais. En 2017, elle arrivait sur le circuit mini. L'année suivante, elle mettait le cap sur le Vendée Globe. Clarisse Kremer, ou l'histoire d'une progression hors norme. On m'a proposé cette aventure extraordinaire, c'est une chance folle. Je ne sais pas si je le mérite vraiment, mais quand on a une chance comme ça qui nous est donnée d'accéder à des gros bateaux, de se mettre dans l'idée qu'on va préparer le Vendée Globe alors que ça ne fait pas si longtemps qu'on y pense, bah oui, c'est hyper privilégié, mais j'en suis consciente et du coup, bah, j'essayais tout simplement d'être à la hauteur de cette chance.